আমরা একটু খোলামেলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে বাঁচতে চাই, স্কুলে যেতে চাই, চাই সম্মানজনক বাঁচার অধিকার। Mesdames et messieurs, sans doute avez-vous été marqués par l'affiche de cette nouvelle conférence Isegoria, sans doute avez-vous réalisé que nous recevons aujourd'hui un ancien de cette école, mais un de ces anciens qui vous donne une certaine fierté d'en arpenter les couloirs. Effectivement, notre invité de ce soir s'est assis sur les bancs de cette maison, l'école supérieure de commerce de Nantes, jusqu'en 1977 où il en est sorti diplômé. Mesdames, messieurs, Donencia et d'ailleurs, Isegoria reçoit ce soir Jean Rousseau, président d'Emmaüs International. Monsieur Rousseau, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'exemple même de ce à quoi vous appelez régulièrement. Vous êtes un provocateur de changement, en témoigne le slogan d'Emmaüs International. Fort d'une lucidité saisissante sur les sujets sociaux, vous avez une conception singulière de la solidarité, celle d'une entraide pragmatique et non idéaliste entre les peuples. Vous l'admettez vous-même au Forum mondial de la pauvreté en juillet 2012. Je ne suis pas vraiment un expert des idées avant d'ajouter notre vrai métier est un métier de survie, notre vrai métier c'est l'accueil de toutes les formes de souffrance et de difficultés. Véritable homme de l'action pratique, de l'action utile, de l'action sociale, vous consacrez tout votre temps et toute votre énergie à lutter contre les réalités insoutenables de l'exclusion. Alors oui, nous pouvons l'affirmer, vous présidez avec passion depuis 2007 Emmaüs International, mouvement fédérateur de plus de 300 groupes Emmaüs locaux présents à travers 36 pays. Profondément humble face à l'héritage de ce grand bonhomme, pour ne pas vous citer, qu'est l'abbé Pierre, vous avez eu l'héritage d'une vision très large de la pauvreté. Depuis sa disparition en 2007, il est de votre ressort de faire grandir cette toute petite grande chose, comme vous dites, qui est Emmaüs. Vous partagez des valeurs d'indignation issues pour partie de la résistance à laquelle l'abbé Pierre a pris part en annonçant dès votre élection les grands axes prioritaires de vos actions. Améliorer l'accès à l'eau potable pour 65 000 personnes, par exemple, au Bénin. Réaffirmer le principe de l'accueil inconditionnel des migrants et de leurs familles. Soutenir le fonds éthique Emmaüs pour encourager les alternatives économiques solidaires. Enfin, en bref, tenter de penser les maux des laissés pour compte de notre société, tenter de soigner ceux que les malheurs de leur lourde destinée maintiennent en dehors de la fête de la vie, pour citer Giscard. En 2013, vous êtes le lauréat des Audencia Alumni Awards pour le prix La Responsabilité Globale, récompense d'un parcours commencé à Emmaüs en 1981, où vous êtes recruté comme responsable de la communauté de l'Union Centrale des Communautés Emmaüs, l'UCC, qui regroupe une quarantaine de centres en France. Puis, c'est non loin d'ici que vous dirigez, lors de l'ouverture du centre d'Angers, vous continuez d'avoir la co-responsabilité. Votre esprit fédérateur, sans doute développé par votre passage sur les bancs de cette école, disons-le, vous amène à la succession de Raymond Etienne au poste de président d'Emmaüs France entre 1996 et 2002. Votre travail consiste alors essentiellement dans la coordination et le rapprochement des actions locales d'aide. Arrive alors l'année 2007. Quelques mois après le décès de l'abbé Pierre et la 11e Assemblée mondiale d'Emmaüs International en octobre 2007 à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine, vous êtes alors élu pour 4 ans président et serez prolongé durant l'Assemblée mondiale de mars 2012 à Anglet pour la même durée. Cher Jean Rousseau, je terminerai cette présentation en abordant votre publication récente intitulée « Pensée inédite » qui fait suite à un long travail de documentation et d'archives de votre part, pour honorer et mettre à la lumière des extraits des textes écrits
par le fondateur des chiffonniers d'Emmaüs. Car plus de 60 ans après l'appel de l'abbé Pierre sur Radio Luxembourg en 1954 avec le fameux « Mes amis au secours », il était grand temps de raviver son message à l'heure où des phrases telles que « gouverner, c'est d'abord loger son peuple » sonnent et résonnent toujours aussi creux, notamment à cause de ce que vous appelez la timidité de tous face aux questions humanitaires. Tout ceci m'amène donc bien naturellement à la problématique de ce soir, l'humanitaire, un palliatif nécessaire, qui va nous être introduite par Laurent Noël, le parrain d'Isegoria, à qui je cède le micro. Ensuite, ce sera avec plaisir que nous vous offrons une tribune qui n'a jamais cessé d'être la vôtre. Je vous remercie. Merci Thomas. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir et merci bien entendu à Jean Rousseau d'avoir accepté cette invitation. Alors je voudrais commencer par une petite anecdote. Il s'agit d'un commentaire qu'on avait enregistré sur le site de l'école après une conférence Isegoria où on avait invité Bernard Thibault, donc ex-secrétaire général de la CGT. Et cette citation qui venait d'un internaute, cette remarque, c'était « Audencia, le cœur à gauche, le portefeuille à droite ». Alors, on l'avait reçu un peu comme une vexation. Alors j'ai envie de dire à cet internaute, un an et demi plus tard, puisqu'évidemment on n'a pas répondu, que Jean Rousseau vous a apporté une belle réponse, finalement, à cette conclusion rapide, si ce n'est pernicieuse, en incarnant un peu malgré vous, la cohérence de l'école. J'ai envie de dire que l'école défend des valeurs de, sans emphase, hein, je le dis sans emphase, des valeurs de solidarité, de responsabilité. Et si ça ne correspond pas à l'image d'Épinal des écoles de management, tant mieux. Voilà. Alors, plus sérieusement, quelques mots pour présenter donc le contexte de la conférence. Sur le site des Nations Unies, à la page dédiée à l'humanitaire, sont recensés 18 topics, c'est-à-dire des thèmes, de l'agriculture à l'eau, en passant par les mines antipersonnelles, les inondations, le respect des droits de l'homme et surtout de la femme, l'éducation, la santé, etc. Bref, que des thématiques qui concernent de stricts droits humains auxquels chaque habitant sera en droit de prétendre presque naturellement. Un problème de définition, alors là, c'est pas directement lié au site des Nations Unies, mais plus général, un problème de définition se pose d'emblée. C'est-à-dire que l'humanitaire est conçu comme une aide ponctuelle et d'urgence. Les interventions se font en cas de crise exceptionnelle ou de catastrophe naturelle. Mais la réalité est bien différente, c'est-à-dire que les actions sont plutôt pérennes, c'est-à-dire qu'on a une forme, entre guillemets, je dis bien entre guillemets puisque ce n'est pas exactement le cas, mais d'institutionnalisation et de permanence des dispositifs de soutien. Pourquoi ? Parce que les organisations humanitaires comme Emmaüs, les Restos du Cœur, MSF, etc., pallient probablement les défaillances politiques, celles de nos élus, mais avec nos mandats de citoyens, qui ne doivent pas être assez clairs ou clarifiés. Le problème vient donc pour partie des États, et à travers eux des citoyens, et des organisations supranationales qui prennent insuffisamment compte la mesure des problèmes. L'exemple des migrants, dont parlait Thomas à l'instant, est à ce titre très éclairant, et encore davantage si on considère que certains États, par leur stratégie géopolitique, créent des instabilités. Ainsi, des relations des grandes puissances, à commencer par évidemment les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, des relations des grandes puissances avec les pays d'Afrique du Nord et du Proche et du Moyen-Orient, où il faut bien reconnaître que les dictatures ont été largement soutenues. Dans le cas de la Syrie, la France n'a-t-elle pas entretenu des relations très cordiales avec la famille Assad, de Mitterrand à Sarkozy? Et donc, à ce titre, la question des migrants a une acuité particulière et une résonance particulière en France. Je n'irai pas plus avant sur ce terrain, car j'imagine, cher invité, que vous n'avez pas envie de traiter des facteurs politiques, vastes chantiers, sur lesquels les possibilités d'agir sont assez faibles. Enfin, avant de vous laisser vous exprimer, je souhaitais aussi mettre en perspective des échanges de cette soirée, les inégalités de la planète, qu'il s'agisse du déséquilibre nord-sud, comme on a pu le voir d'ailleurs à travers les vidéos, ou des inégalités au sein de chaque pays. À ce titre, les travaux de l'économiste Thomas Piketty, bien concentrés sur les rapports entre le travail et le capital, montrent que les inégalités sont aujourd'hui redevenues aussi fortes qu'elles l'étaient à la fin du XIXe siècle, après une longue période d'amélioration. Enfin, c'est un lieu commun et peut-être une démagogie de ma part de le rappeler ici, mais tout de même, cette réalité mérite que nous la retenions.
Les 10% les plus riches du monde détiennent 86% de la richesse mondiale. Donc je le redis, les 10% les plus riches du monde détiennent 86% de la richesse mondiale, alors que la moitié de la population mondiale ne dispose que de 0,5% de cette richesse. D'accord ? La moitié de la population mondiale ne dispose que de 0,5% de cette richesse, c'est-à-dire que la moitié de la population mondiale ne possède rien, en réalité. Des organisations comme Emmaüs font un travail formidable auprès des plus démunis. Nous sommes très fiers, Jean Rousseau, de vous accueillir et de vous offrir cette tribune. Puissiez-vous nous ramener à une réalité que l'on ne veut pas assez voir et nous dire aussi comment chacun, à son niveau, peut y contribuer. La parole est à vous. Après le massacre des 200 hommes, les femmes du village de Tanapara se sont retrouvées sans ressources. Les Swallows, une association suédoise qui deviendra membre d'Emmaüs, entend parler du désespoir des survivants et s'engage auprès des veuves de Tanapara. 40 ans après avoir survécu au drame, Ryan Ali est à la tête de ce groupe autonome, devenu un modèle de solidarité. Comme tous les groupes du mouvement Emmaüs, Tanapara Swallows a adapté ses activités au contexte économique et culturel local. De la lutte contre l'arsenic dans l'eau aux droits des enfants, en passant par le microcrédit, la liste est impressionnante. And then we have the project which is supported by different donors. Parmi les 7 programmes proposés par l'association, le droit des femmes est sur le devant de la scène. Grâce à l'artisanat, les Bangladaises des environs de Tanapara accèdent à un revenu et donc à leur indépendance. Dans ces ateliers, 250 femmes travaillent le coton. Du filage à la confection, elles s'appliquent sur des métiers à bois traditionnels et fabriquent des vêtements vendus dans le monde entier dans le cadre du commerce équitable. The main difficulties is to work in Bangladesh is that most women they become illiterate. So if they are not educated, so it's very difficult for them to find the job. Especially for the women, if you wanted to have the job, then they have to go to Dhaka. Farida Pervin travaille ici depuis 7 ans. Depuis la mort de son mari, cette veuve a 6 enfants à charge. Chaque matin, elle les dépose à l'école et à la crèche, située à quelques pas des ateliers de confection. Tanapara Swallows offre une éducation à 550 enfants issus de familles pauvres, dont 250 dans cette école. দেখেন আমার মেয়েরা কি আমি অনেক আরাম থাকে নিশ্চিন্তা কাজ করতে পারি কোনো টেনশন থাকে না এখানে থাকে কোনো নিরাপত্তা কোনো ভয় থাকে না আর বাড়িতে থাকলে ধরেন কোনো বাচ্চার সাথে অন্য বাচ্চার সাথে মারামারি করবে কিংবা মানে বাগানে বেড়াবে রোদে বেড়াবে এর কারণে আমরা ডেকে এর বাচ্চা রাখি Dans une société qui accorde peu de place aux femmes, Tanapara Swallows est l'unique structure de la région qui travaille avec elle. There is a contradictory Bangladesh Islamic rule because some people say that women should be inside their house, but we are saying that no, the women and men together we can build the country.
Afin de poursuivre son engagement auprès des femmes, l'association a mis en place, depuis 5 ans, une mission atypique de médiateur des couples. Ce jour-là, Faïma Khatoun, avocate, reçoit Niloufa et son mari Mouzna. Dans 80% des cas, discussion et médiation permettent le déblocage des situations difficiles dont les femmes sont souvent victimes dans la région. Et lorsqu'il faut aller plus loin, Tana Parasoalos porte les cas devant la justice. Non loin de la commune de Tanapara, un crieur de droit sillonne les villages alentours. Une prise de parole publique pour stopper les mariages d'enfants, pourtant interdits par le gouvernement depuis 1992. Autre problème majeur du Bangladesh, l'agriculture intensive. Face à ces ravages, Tana Parasoalos s'est engagée pour une culture des terres durable et respectueuse de l'environnement. Deux fois par mois, des travailleurs de terrain se rendent auprès des paysans qui utilisent encore des engrais chimiques. Ce chef de village fait partie des 1600 agriculteurs convertis par Tana Parasoalos au bio. Depuis quelques années, il se rend dans les villages alentours pour transmettre ses recettes artisanales à ses voisins. À travers ses nombreux combats, Tana Parasoalos démontre jour après jour que les plus démunis peuvent construire un monde plus juste. This type of solidarity activity should be done by all people. And if we can bring that type of mentality to think for other people, I think this world can be much better than today. Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous, et merci de m'accueillir dans cette école que j'ai fréquentée il y a maintenant bien longtemps. La petite introduction qui a été faite tout à l'heure donnait un début de définition du terme humanitaire. Alors moi je ne suis pas un spécialiste de ce domaine, et je vais essayer plutôt de vous apporter quelques contrepoints sur ce que me semble être les contradictions de l'humanitaire aujourd'hui dans la définition qu'a rappelé votre professeur, c'est l'intervention d'urgence
en cas de conflit, en cas de guerre, de catastrophe naturelle principalement. Le petit film que je viens de vous passer vous montre que, pour ce qui relève du mouvement Emmaüs, nous ne sommes pas une organisation d'urgentistes. Nous intervenons rarement à l'occasion de conflits ou de catastrophes naturelles, même si je donnerai quelques exemples qui montrent qu'on le fait aussi. Mais c'est une perspective tout à fait marginale que de s'intéresser pour nous à la question de l'humanitaire, dont nous ne sommes pas des spécialistes. Ce qui nous intéresse, je pense que des petites idées ont déjà été développées, c'est que l'humanitaire a tout son sens pour nous dans des interventions en cas de conflit, effectivement, ou en cas de catastrophe naturelle. Mais il y a tout un tas d'interventions aujourd'hui très larges, très vastes, et on donnera là encore quelques exemples qui montrent que l'humanitaire n'est plus qu'un palliatif, et dans toutes les nuances du terme qu'on va aborder maintenant. Alors, j'espère que ça va marcher. Alors, l'humanitaire seulement un palliatif. Alors, sur cette idée, je crois vraiment que quand on regarde des catastrophes d'ampleur, comme par exemple le tremblement de terre au Népal, qui a donné lieu à des interventions importantes, moins importantes que dans d'autres catastrophes similaires, on voit bien que l'intervention est difficile, qu'elle permet de secourir, et encore pas dans tous les cas, quand c'est très compliqué comme au Népal, et qu'en tout cas, très vite, on s'arrête faute de moyens, et qu'on n'aborde pas les étapes suivantes, qui sont notamment celles de la reconstruction, qui aujourd'hui vous parle, essaie de vous faire un bilan de ce qu'a été l'action humanitaire sur cette catastrophe du Népal, qui essaie aujourd'hui de vous dire ce qu'ont été les pré-programmes de reconstruction qui ont été envisagés ou lancés peut-être par quelques organisations humanitaires, personne. Donc, dans ce cas précis, l'humanitaire a été un palliatif de courte durée et qui a apporté certainement pas tous les secours qu'on aurait pu voir durer un peu plus, par exemple. Alors, il y a quelques chiffres qui apparaissent sur cette slide qui montre que, une fois encore, en cas de conflit, ce sont vraiment des causes d'intervention qui font que soit les dégâts sont très importants, soit les États dans lesquels se déroulent les conflits n'ont pas des politiques publiques ou n'ont pas des infrastructures qui leur permettent d'apporter les premiers secours. Et notamment, ça vous explique qu'aujourd'hui encore, toute la place que peuvent avoir les urgentistes, médecins notamment, tous les soignants. Et on les retrouve également d'ailleurs dans les catastrophes naturelles, même si on est plus sur des métiers qui relèvent de la protection civile. Mais dans beaucoup de cas difficiles, l'intervention humanitaire aura encore des gros chantiers, puisque, comme vous le savez, les dérèglements climatiques, les excès de pluie dans beaucoup de régions du monde, tous ne sont pas médiatisés, mais ils sont fréquents et donnent lieu à des interventions humanitaires fréquentes, que ce soit celle des urgentistes médecins ou de ceux qui sont plutôt spécialisés dans la protection civile. On a connaissance, vous n'avez connaissance évidemment que des phénomènes les plus graves, ceux sur lesquels les médias ont attiré votre attention, et on y reviendra d'ailleurs. Alors, j'ai accepté de construire ce petit ensemble de vues avec les étudiants qui m'ont fait quelques propositions. Donc, cette petite slide vous présente un livre. Alors, il y a toute une littérature sur cette question de l'urgence et de l'humanitaire.
avec des conflits intellectuels, des expériences diverses. Il y a eu des scissions dans le mouvement humanitaire. Ceux qui s'intéressent, vous pourrez lire avec intérêt, ceux qui s'intéressent à ces domaines, des tas d'acteurs comme le professeur Mattei ou comme Ronnie Broman, par exemple, sur d'autres livres qui connaissent très bien ce domaine et qui seront capables pour vous de vous permettre de creuser un peu ce sujet, de mieux comprendre les notions, de comprendre toutes ces contradictions au fil des années, de comprendre aussi les limites, voire les dangers, dans certains cas, de certaines formes d'action humanitaire. Et j'ai bien aimé aussi que ce livre soit sélectionné, non pas parce que je l'ai lu, mais j'aime bien ce titre qui pose d'emblée la question « L'urgence humanitaire et après ». C'est-à-dire qu'il y a encore tout un espace de réflexion qui n'est pas, à mon avis, clos, sur justement quelles peuvent être les suites l'aboutissement d'une urgence, d'une action humanitaire qui soit utile. Hein, c'est-à-dire si c'est quelque chose qui est sans lendemain, il y a un des objectifs de l'action humanitaire qui, à nos yeux, en tout cas Emmaüs, manque terriblement. Alors, je vais vous présenter rapidement l'exemple de la Bosnie. Pour ceux qui, peut-être maintenant, ont oublié les événements des années 90, même si on reparle un petit peu des Balkans actuellement à l'occasion de l'exode des migrants venant du Moyen-Orient, il y a donc eu ce conflit très long entre la Croatie, la Serbie et la Bosnie, très proche de nous, qui a beaucoup ému, y compris au sein d'Emmaüs, puisque en 1992, encore pendant la guerre, hein, puisque les accords de Dayton ont mis fin au conflit en 1995, nous sommes intervenus avec nos collègues italiens dans ce pays pour accueillir les masses de réfugiés internes. Hein. Il y avait déjà des déplacés hors de l'ex-Yougoslavie, mais il y avait beaucoup de déplacés internes, donc nous avons apporté sur place, puisque nous étions voisins, hein, l'Italie n'est pas très lointaine, du mobilier, des vivres, etc. Et nous nous sommes aussi attachés à construire des infrastructures avec des moyens dégagés par les groupes Emmaüs, par le travail des compagnons d'Emmaüs dans tous ces pays d'Europe, pour créer des lieux d'accueil pour les personnes déplacées. La fin de la guerre approchant en 1995, on aurait pu se dire qu'on a terminé, on s'en va, les gens se débrouilleront après quand on sera parti. Mais notre tradition fait qu'on a noué des amitiés, on a travaillé avec des gens localement impliqués, et notamment en Bosnie, puisque c'est là que nous sommes principalement intervenus. Et nous avons noué des amitiés qui ont fait que quand on a commencé quelque chose, on ne va pas se séparer chacun de son côté dans la douleur et on va se dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour continuer. Donc on a transformé progressivement nos actions humanitaires en se disant que les déplacés, on essaierait qu'ils puissent retourner dans leurs aires d'origine. On a essayé de prévoir des programmes de reconstruction de maisons puisqu'il y a eu beaucoup de destructions, de rééquipement des logements, puisque Emmaüs est acteur de récupération, donc on dispose de beaucoup de fournitures qui nous permettaient de récupérer des maisons. Nous avons transformé aussi une partie de nos équipements pour les déplacer, pour se dire qu'avec nos amis bosniaques, ils pourraient s'en servir pour lancer des infrastructures qui leur permettraient eux aussi d'intervenir durablement en créant des activités économiques, puisque ce sont des pays où, comme chez nous, il y a des gens en grande pauvreté qui cherchent du travail. Donc nous avons transformé notre centre d'accueil en hôpital, puisqu'il n'y a pas d'hôpital pour les grands malades handicapés dans ce pays. Donc nous avons réussi, avec des fonds internes, des fonds que nous sommes allés chercher à l'extérieur, à transformer un équipement pour réfugiés en hôpital pour les grands handicapés, géré par nos amis bosniaques. Donc
voilà la façon dont on peut transformer des actions d'urgence en actions durables. Ils ont autour de ça lancé des activités agricoles pour fournir de la nourriture pour cet hôpital. Donc il y a une ferme, il y a une fromagerie. L'ensemble des groupes Emmaüs qui existent en Europe sont dans des pays où on a des connaissances, des expériences, donc on peut apprendre des métiers, on peut venir de Bosnie apprendre des métiers chez nous, s'y former, on peut fournir du matériel et lancer des activités. Nous avons aussi vu qu'il y avait toutes ces violences, ça c'est un rappel des violences exercées par les bandes armées contre les Bosniaques, notamment par les Serbes dissidents. On s'est à l'époque, donc avant la fin de la guerre, engagé, nous, aux côtés de l'abbé Pierre d'ailleurs, pour les interventions armées de l'ONU qui n'avaient toujours pas eu lieu, en vain. Et donc elles n'ont eu lieu qu'après les massacres qui sont déroulés dans les enclaves théoriquement placées sous la protection des casques bleus. Et donc, vous avez là, pour aller lire un livre qui explique quelques motivations des humanitaires dans ces années. Dans un de ces lieux, qui est donc Srebrenica, sans doute certains connaissent le nom de cette localité, où les Serbes, en l'espace de 48 heures, ont massacré 8000 adultes, hommes et jeunes hommes, dans des conditions effroyables. Et c'est ce massacre particulièrement qui a déclenché ensuite les interventions armées de l'OTAN et de l'ONU pour mettre fin au conflit. Et donc dans cette ville, où il y a évidemment beaucoup, comme on l'a vu au Bangladesh, des femmes chefs de famille avec des enfants, nous avons, avec nos amis bosniaques, imaginé de lancer des activités économiques. Ce que nous faisons avec l'aide des groupes Emmaüs qui le souhaitent en France, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni. Nous y invitons tous les étés des jeunes volontaires pour mener les activités agricoles avec les familles, lancer des coopératives qui, par exemple, produisent des jus de fruits ou des fruits, ramassent les fruits rouges, par exemple. Et nous en avons fait un lieu de rencontre pour la réconciliation entre les jeunes des différentes régions que sont la Serbie, la Croatie et la Bosnie. Donc vous voyez que sur un épisode tragique de l'Europe à nos portes, nous nous sommes embarqués dans une région où nous n'étions pas pour y apporter des secours, mais que très vite nous avons transformé cette aide. Même si aujourd'hui la Bosnie a peu progressé politiquement parce qu'elle est sous la tutelle d'une Europe qui ne bouge pas beaucoup, c'est un État corrompu aussi, la Bosnie, on essaie d'y développer ou d'encourager les acteurs locaux, qui est donc maintenant une très grosse association Emmaüs, qui cherche à développer des activités économiques qui manquent terriblement, et en même temps de développer des espaces de réconciliation, de conscientisation politique. Voilà un peu comment nous envisageons, sur un départ humanitaire, des actions qui trouvent leur plénitude et tous les développements qui, nous semble-t-il, sont indispensables pour qu'une action humanitaire porte véritablement ce nom. Alors j'ai choisi d'aborder cette question de l'humanitaire, un palliatif menacé et à bout de souffle. Alors menacé parce que les récents événements en Syrie vous montrent que l'humanitaire, dans ses missions d'urgence, reste tout de même très vulnérable, même si chacune de nos organisations et notamment les médecins urgentistes qui travaillent en situation de guerre, sont maintenant très expérimentés pour mesurer les risques qu'ils font encourir à leurs intervenants. On ne peut pas évacuer complètement le risque. On ne peut pas non plus tout abandonner dès qu'il y a des risques qui se précisent. Donc les doctrines des,
des associations humanitaires ou des organisations humanitaires varient, mais la plupart d'entre elles ont compris qu'il faut maintenant s'accommoder de formes de risques, de dangers qui sont énormes. Et donc, l'humanitaire, c'est parfois une action qui est menée au péril de sa propre vie. On l'oublie parfois, et les bavures, puisque c'est une très grosse bavure des forces aériennes afghanes et américaines, les bavures existent toujours, et les risques sont rarement prévisibles. Je pense aussi que l'humanitaire, dans ses manifestations, comme par exemple, nous sommes très présents au Burkina Faso, avec des groupes qui sont actifs dans le milieu rural notamment, mais aussi en zone urbaine, nos mouvements sont aussi engagés politiquement, c'est-à-dire prennent part au débat de la société civile, à toutes les discussions, notamment des mouvements de jeunesse, pour contrôler les processus démocratiques. Donc nous avons aussi des militants qui sont emprisonnés, Voilà, ça fait partie aussi de cette action risquée qui a aussi une forme d'engagement politique qu'on ignore souvent. C'est-à-dire que lorsque vous intervenez même dans une zone de guerre, est-ce que vous acceptez de soigner tout le monde? Est-ce que vous choisissez vos publics? Voilà. Ça, ce sont des questions redoutables sur lesquelles il y a encore, je pense, du débat pas mal entre les urgentistes et les humanitaires. Alors, à bout de souffle, ou dépassé par les événements, donc l'exemple qui nous a été présenté là, c'est celui d'Haïti. Alors, je ne le connais pas bien, puisque ce que j'expliquais aux étudiants, c'est que nous intervenons dans des pays où nous sommes présents, c'est-à-dire où des activités Emmaüs existent déjà, où des structures Emmaüs sont en action. Donc, nous ne sommes pas allés à Haïti parce que nous n'avons pas d'action sur place. Mais c'est un exemple assez intéressant qui montre qu'il y a eu une forte émotion, et je citerai un exemple complémentaire tout à l'heure, une forte émotion qui a déclenché des pluies d'argent et d'interventions, y compris politiques, avec les contingents de volontaires américains, mais qui a produit des dégâts très importants sur place parce qu'on a exporté des moyens considérables qui n'ont pas été attentifs à ce qu'était l'état du terrain et donc ont partiellement rempli leur mission d'urgence, que ce soit vis-à-vis de la protection de l'eau, de la protection vis-à-vis des maladies, rétablissement de l'eau, et surtout qui sont très peu intéressés et rapidement à la reconstruction, d'autant qu'on sait que dans ces cas de tremblement de terre, c'est vraiment ça qu'il faut commencer. Donc quand on vient de façon un petit peu externe comme ça et qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des populations qu'on connaît, quand on n'est pas dans l'empowerment qui consiste à connaître ou à faire émerger les attentes des habitants, à être attentif à leur forme d'organisation, même si parfois elles sont embryonnaires ou désordonnées, eh bien on manque des rendez-vous. Et aujourd'hui, je crois savoir que le bilan en Haïti, en termes de reconstruction, est assez décevant. Nous avons nous-mêmes une expérience de cette nature, un peu désarçonnante, à l'occasion du tsunami qui avait eu lieu en Asie. Nous avions décidé d'intervenir à la suite de cet événement incroyable, parce que nous avons des structures Emmaüs sur la côte sud-est de l'Inde, dans l'état du Tamil Nadu, où il y a eu des dégâts tout de même très importants, puisque ce sont des zones particulièrement vulnérables, avec des constructions très légères, donc il y a eu beaucoup de dégâts. Donc nous avions envisagé, avec des solidarités que nous avons collectées en interne du mouvement Emmaüs,
des petits programmes de reconstruction avec nos structures, nous en avons 4, pour faire un petit peu de reconstruction dans l'environnement où se trouvent nos structures. C'était des sommes assez modestes, de l'ordre de 300 000 euros, qui permettaient d'envisager quelques petits programmes de reconstruction. Mais on a vu que cet événement qui a créé une très grande émotion a aussi créé une mobilisation financière incroyable en Europe et en France, ce qui fait que beaucoup des organisations urgentistes peinaient à pouvoir utiliser ces fonds et sont évidemment sous la pression de leurs donateurs qui veulent absolument aider ou faire que les organisations humanitaires interviennent. Et donc nous avions été sollicités par la Fondation de France, qui, vous savez, abrite un certain nombre de donations, qui ne trouvaient absolument pas dans l'ensemble du cercle des grandes organisations humanitaires à utiliser tout l'argent qu'elle a perçu. Et elle nous a demandé expressément de pouvoir utiliser de l'argent. Donc vous voyez aussi que ces phénomènes liés à la force et à la puissance des médias, à la force de l'émotion, créent des déséquilibres et derrière amènent à concevoir des programmes peut-être trop vite, à utiliser de l'argent qui pourrait être utilisé à meilleur escient plus tard ou différemment ou dans d'autres circonstances. Donc il y a des effets pervers qui s'illustrent très bien maintenant. On voit bien aussi le déluge d'aides matérielles qui s'est tout d'un coup déclenché quand on a vu apparaître ces cohortes de migrants venant des Balkans, par exemple, hein, qui donnent lieu à aussi des formes de gaspillage que nous, on constate très souvent. Oui, donc derrière ça, ben forcément, au travers de l'humanitaire, il n'en est pas forcément responsable, hein, mais se développent tout de même des formes de bonne conscience de la société qui, voyant ces catastrophes, forcément est émue et se dit qu'elle peut faire quelque chose. Bon, certains s'engagent d'ailleurs dans les mouvements humanitaires, mais on mobilise aussi des sommes et après on oublie. Ça veut dire que, eh bien, pour une large part de la société qui reste à la surface des choses, qui est aussi, je dirais, un peu constamment accablée par le catastrophisme ambiant, eh bien, l'humanitaire est une espèce de soupape pour la bonne conscience. Mais derrière tout ça, et ça nous amènera peut-être à la suite de la discussion, il y a tout de même cette question qu'a abordée d'ailleurs votre professeur en introduction, qui est souvent l'action humanitaire suit directement l'irresponsabilité politique. Alors, quand on s'inquiète des mouvements migratoires, on y reviendra, je pense, assez longuement, parce que c'est un très bon exemple, depuis l'été, parce qu'ils ont augmenté en nombre de personnes. On s'effraie de ces gens à la rue, de ces familles avec enfants qui affrontent les dangers, mais on ne se pose pas la question du pourquoi de ces exodes qui tout d'un coup prennent de l'ampleur. Bon, bien sûr, il y a les causes politiques qui sont celles du conflit en Syrie qui a trouvé non pas de nouveaux développements, hein, puisque le harcèlement des populations, soit par le régime, soit par les islamistes, n'est pas nouveau. Mais ce qui a occasionné les flux importants de l'été, c'est notamment le fait que l'essentiel des fugitifs sont dans les pays limitrophes de la Syrie. Nous-mêmes, par exemple, nous sommes présents au Liban. Il faut savoir qu'au Liban, il y a 30% de la population qui est constituée de réfugiés. C'est comme si nous avions 20 millions de réfugiés en France, par exemple. Donc, évidemment, ça désorganise complètement
ces pays et ce petit pays qu'est le Liban. Mais ça pouvait durer tant qu'il y avait une intervention assez significative, importante, complète des grandes organisations de l'ONU pour secourir ces populations, même si elles vivaient dans des zones très précaires. Moi, j'ai été dans la plaine de la Beka, qui est contiguë à la Syrie. Les conditions, et notamment l'hiver dernier, étaient épouvantables. Mais l'intervention des grandes agences de l'ONU en nourriture, en soins, permettait aux gens de se dire ben, on va encore rester là, avec quelque espoir de pouvoir retourner prochainement en Syrie. Mais à partir du moment où les grands États financeurs n'ont plus voulu ou n'ont pas choisi de continuer à alimenter les grandes agences de l'ONU, tous ces camps d'urgence au Liban, mais aussi en Jordanie, en Turquie, ont été livrés à eux-mêmes. Et donc, les gens ont pris la route pour aller plus loin et essayer de trouver des conditions meilleures. Donc ça veut dire que vous voyez que les carences politiques, et en l'espèce une carence humanitaire des États dans la zone de guerre, a occasionné des dégâts beaucoup plus importants, avec d'autres formes de prise en charge à imaginer auxquelles on n'est pas du tout préparé. Enfin, bon, tout ce que vous avez pu décrypter de cette actualité des derniers mois. Bon, il faut se dire aussi que c'est aussi parce qu'on n'est pas intervenu dans des moments où il aurait peut-être fallu le faire. C'est ce qu'on nous rappelle aujourd'hui contre des régimes vraiment dictatoriaux qu'on aurait pu éviter la dégradation qu'on voit aujourd'hui en Syrie. Mais bien avant des interventions militaires possibles, il ne faut pas oublier qu'on a appuyé des régimes qui écrasent leur population, pas par des bombes, mais par des formes de dictature effrayantes depuis des dizaines d'années. Le régime Assad, ça date de 50 ans avec le père. Et donc nous avons entretenu sciemment, pour des raisons économiques, de business, ces régimes qui, petit à petit, sont devenus des caricatures de régimes et donc portent en germe toutes ces révoltes internes qui après sont matées dans la plus grande violence, dans la sauvagerie, et évidemment qui ouvrent toutes ces portes au fondamentalisme qui naissent et qui prospèrent sur cette violence faite aux gens par les régimes forts. Donc voilà, on remonte jamais à ces racines, mais ce sont éminemment des racines politiques sur lesquelles, après, on tente, tant bien que mal, et avec le succès qu'on sait, d'apporter des solutions palliatives. Mais elles ne pallient plus rien du tout. Alors, ça, c'est des petites questions qui peuvent se poser sur la neutralité et la complicité. Alors, c'est vrai que intervenir dans des zones difficiles ou dans des régimes qui n'ont pas toutes les qualités démocratiques souhaitées, si on veut se maintenir, si on veut pouvoir intervenir malgré tout, eh bien, on est parfois confronté à des passe-droits qu'il faut demander, à de la corruption auquel il faut céder ou ne pas céder. Ça, ce sont des questions importantes qui font que une partie de l'aide humanitaire parfois est détournée. Vous avez les exemples très connus de la Corée du Nord, où certaines organisations humanitaires, alors que c'est un pays qui fait face, pour raisons politiques structurelles, à des phénomènes de famine constantes, des grandes organisations internationales se sont retirées de l'aide alimentaire, par exemple, parce que la corruption était devenue insupportable. Et puis, sans aller jusqu'à des cas extrêmes comme ça, il y a aussi toute cette instrumentalisation qui peut être faite de l'aide humanitaire. Alors, je vais prendre un exemple que je connais bien, puisque c'est le cas de Calais. Vous
vous savez qu'il y a maintenant une concentration assez importante de personnes, avec une recrudescence depuis l'été sur Calais, qui fait que nous avons à peu près 3500 personnes qui sont dans une espèce de bidonville d'État. Alors même que des phénomènes comme ça, nous les avons connus il y a très longtemps, avec le centre de Sangatte, qui a été démantelé, on a dispersé les gens. Nous avons des discussions avec les élus locaux, avec le préfet, qui est le représentant de l'État, et encore récemment, c'est-à-dire vendredi dernier, avec le ministre de l'Intérieur, qui conviait les associations à voir ce qui pouvait être fait d'un point de vue humanitaire. Bon, nous, depuis plusieurs mois, nous sommes actifs sur le terrain. Nos groupes Emmaüs dans ces régions sont très actifs pour distribuer des vivres, des vêtements, des abris. Nous avons essayé tant bien que mal de suivre en essayant d'interpeller sur les pouvoirs publics sur le fait que non seulement il faudrait prévoir autre chose que la précarité institutionnalisée, puisque c'est ça qu'on peut voir sur Calais, mais qu'il faudrait peut-être réfléchir pourquoi des gens, même dans des conditions épouvantables et indignes, persistent à rester sur place. Bon, tout le monde comprend bien que ceux qui viennent là sont une toute petite minorité de migrants qui nous viennent notamment du Moyen-Orient, mais dont l'objectif est d'aller au Royaume-Uni, puisqu'ils y ont soit de la famille, soit ils sont anglophones. Enfin, en tout cas, ils ont choisi d'aller dans cet espace qui n'est plus aussi accueillant qu'il a pu l'être par le passé. Et donc, à partir du moment où des accords entre la France et le Royaume-Uni font que les possibilités de passage en Grande-Bretagne sécurisées par des visas ou des possibilités de demander l'asile ne sont plus possibles, il ne faut pas s'étonner que les gens attendent. Et par tous les moyens, on l'a vu cette nuit dernière avec des attaques de migrants sur les installations d'Eurotunnel, une nouvelle fois, avec plus de 150 personnes qui ont attaqué le personnel d'Eurotunnel, par tous moyens, cherchent à passer. Donc quand on pose la question au ministre que peut-être il faudra s'interroger sur la façon dont, à un moment donné, on peut rouvrir du débat avec le Royaume-Uni, voir comment ce pays peut encore accueillir des réfugiés, prendre sa part d'ailleurs, et répondre aux attentes des migrants, le dialogue est fermé. C'est-à-dire que c'est un sujet dont on ne peut pas parler. Et donc, ne rouvrant pas ce sujet, le ministre essaie de nous convaincre qu'il faut aménager mieux que ça n'a été fait jusqu'à présent, cette jungle où il n'y a ni toilettes, ni abri, et on s'approche de l'hiver, vous savez ce qu'il en sera, où il y a des bagarres, il y a des morts, enfin bon, c'est un truc affreux, et dont le principal responsable est l'État. Parce que, un, il ne cherche pas à ce que les gens s'en aillent, bon, ça, c'est son choix politique, mais il doit en subir les conséquences, si je peux dire, les conséquences politiques, et en même temps, l'État n'exerce pas sa responsabilité humanitaire. Je vous rappelle que la France est signataire de la Convention de 51 sur les réfugiés, c'est-à-dire que toute personne qui demande asile doit bénéficier d'un certain nombre de droits et de conditions d'accueil. Donc vous voyez, sous prétexte que on ne veut pas que ces gens aillent vers l'Angleterre, on essaie de les convaincre d'accepter l'asile en France, qu'ils ne veulent pas. On essaie de leur maintenir des conditions indignes pour qu'ils changent d'endroit, ce qui ne marche pas non plus. Enfin, on essaie tout un tas d'expédients qui tuent des gens sans se poser plus de questions. Et donc nous, on ne peut pas continuer à répondre à des invitations du ministre comme organisation et à apporter nos services dans le cadre qu'il a prévu. Donc on lui a dit que c'était la dernière fois qu'on allait au ministère et que s'il y avait encore des secours à mener, il y en aura, hélas, on se débrouillerait tout seul. Bon, vous voyez que c'est un choix un peu difficile que nous avons fait, mais qui en même temps est un choix politique, parce qu'il y a un moment où les solutions humanitaires, les réponses humanitaires, elles ont leurs limites. C'est-à-dire combien de temps allons-nous entretenir cette espèce de bidonville aux yeux de tout le monde, qui crée des frustrations, qui est exploité politiquement par l'extrême droite, etc. Est-ce qu'on veut continuer ça ?
pour nous, c'est des questions que nos élus ne veulent pas se poser aujourd'hui et sur lesquelles nous avons fait notre choix. Ce qui ne nous empêchera pas de continuer des interventions humanitaires. Et les autres grandes organisations, comme Médecins du Monde, par exemple, vont continuer, je pense, de travailler avec le ministère de l'Intérieur. On se demande d'ailleurs pourquoi c'est le ministère de l'Intérieur qui se charge de ces questions et non pas le ministère des Affaires sociales. Voilà, ce sont des exemples qui montrent les limites pour nous d'intervention humanitaire quand les solutions politiques ne sont pas recherchées ou qu'on ne peut pas rentrer dans un dialogue avec des pouvoirs politiques qui refusent de regarder les problèmes en face. Et on ne regardons pas ces problèmes, je pense qu'ils se préparent à d'autres difficultés. Alors, l'exemple des migrations, je pense qu'au-delà de Calais, tout le monde a bien vu cette pression migratoire qui n'est pas si importante que ça. Hein. Je vous ai parlé du Liban, les 800 000 ou le million de réfugiés qui sera venu pendant l'année 2015, probablement en Europe. C'est relativement peu au regard des flux migratoires qu'il y a ailleurs dans le reste du monde. Ce qu'on constate au niveau européen, d'une façon générale, c'est 4%, 4 à 6% des flux migratoires dans le monde. Ça veut dire que les grands flux migratoires, les flux massifs, sont plutôt en dehors de l'Europe, sont plutôt entre pays du Sud et entre pays voisins. Donc tout ce que vous pouvez entendre sur les envahissements, les chiffres jamais rencontrés de migration dans nos pays, tout ça, c'est pour partie et largement des choses très superficielles et la plupart du temps de l'intoxication et une méconnaissance de ce que sont les questions migratoires aujourd'hui, qui sont maintenant parfaitement documentées par des chercheurs universitaires, si on veut bien se donner la peine de regarder ces questions. Alors les embarcations que vous avez vues ou que nous avons vues, nous, de près, puisque on est intervenu aussi largement à Lampedusa, ne sont que la face visible et momentanée de ces fuites de personnes qui affrontent des dangers et qui sont évidemment, puisqu'ils sont soumis à la rareté, ils sont chassés aussi par les forces de police. Frontex, ce sont des forces de police qui essaient de contrôler les gens, qui peut-être un peu plus maintenant essaient de leur éviter de mourir. C'est la seule façon pour les gens d'échapper à des choses épouvantables, que ce soit en Libye, que ce soit au Soudan, etc. Les mouvements vont sans doute se calmer un petit peu si la mauvaise saison arrive, ce type de mouvement, mais d'autres, quand on ne peut plus passer par la mer, mais on cherche d'autres voies terrestres, même compliquées. Il n'y a pas de frontières qui existent et qui arrêtent les gens. C'est pourtant simple à observer depuis tant d'années, et pas qu'en Europe. Les gens qui doivent aller quelque part, ils iront, quoi qu'il arrive. Donc tout ce qu'on peut imaginer à coût très élevé, en force militaire, en force, en infrastructure, en dispositifs de toutes sortes, c'est très souvent de l'argent jeté en pure perte, quoi, puisque ça n'arrête pas les gens. C'est ce qu'on appelle l'Europe forteresse. Il y a des petits dessins très suggestifs, mais je pense que quand vous regardez la presse tous ces temps-ci, il y a beaucoup de petits dessins comme ça qui montrent beaucoup plus qu'une conférence comme celle-ci, ou de longs articles ou de longues études, ce que nous sommes devenus en fait, c'est-à-dire voilà, une forteresse qui un jour ou l'autre ne tiendra pas, quoi, parce que c'est pas possible d'arriver à tenir des forteresses de cette nature dans une région comme l'Europe, quoi. Alors tout ça, c'est aussi gravissime parce que derrière, on viole les droits humains. C'est cette petite deuxième partie de la phrase. C'est-à-dire que
au-delà de ces mouvements de personnes qui normalement devraient être accueillis, il y a tout un tas de stratégies de violation des droits humains, assumées ou pas, qui se mettent en place. Le fait que, par exemple, on nous dise à grand renfort de discours et de mise en scène que les réfugiés politiques seront pris en charge, même si on n'en prend pas beaucoup chez nous, par exemple en France, beaucoup moins qu'ailleurs d'ailleurs. 26 000, on s'apprête à accueillir 26 000, alors que je vous rappelle que c'est ce que l'Allemagne a pu accueillir en l'espace de 3 jours dans un week-end. On pense qu'on va pouvoir arrêter les gens là où ils sont en payant assez cher, des États comme la Turquie, d'ailleurs c'est parfaitement d'actualité, mais qui n'a pas trop envie de le faire, pour que les forces de police se déploient sur place, c'est-à-dire qu'on fait déjà ça hein, au Mali. C'est nous qui payons les polices locales pour empêcher les gens de monter dans les avions. Évidemment, on n'est pas dans des pays où on fait ça discrètement. En tout cas, ça se voit plus quand on fait ça chez nous. Donc c'est très commode d'aller externaliser les opérations de police et de contention des migrants dans tous les pays. Donc ça, c'est une politique assumée. Et puis, on essaie aussi de catégoriser les gens entre soi-disant ceux qui seraient vulnérables, vraiment des politiques, et les autres qui, soi-disant, ne le seraient pas, seraient des migrants économiques. Alors que chacun sait bien que les frontières sont très étroites entre les différentes catégories et que très souvent, les pays où il y a difficultés politiques sont aussi des pays de grande précarité économique. L'exemple de l'Érythrée est en est un. Le Soudan aussi. Donc on s'achemine aussi vers des notions dangereuses comme la notion de pays sûr qui existe déjà, qui font que dans les pays sûrs, si on le décrète collectivement, par exemple en Europe, dans ces pays sûrs, on pourra renvoyer des gens puisque les pays sont sûrs. Un pays sûr, c'est un pays quelle que soit son état politique, où il y a au moins une présence étrangère, type ONU, etc. Ça suffit à faire un pays sûr. C'est vous dire que dans des pays comme le Soudan, où il y a une forte présence de casques bleus, c'est pas pour ça que le pays est sûr. Ce qui explique qu'en ce moment, des moyens sont déployés de façon assez importante par la France pour renvoyer vers le Soudan une partie des ressortissants qui sont capturés ici ou là, et notamment à Calais. Mais ça, le ministre n'en parle que peu. Alors, tout ce qui est illustré avec abondance aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Nous, on pense qu'il n'y a pas de... À Emmaüs, on pense qu'il n'y a pas d'immigration clandestine. Il n'y a qu'une immigration qui est légalisée et une autre qu'on refuse de légaliser. C'est-à-dire que l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous sommes d'ailleurs signataires, affirme que toute personne a le droit de quitter son pays si elle estime qu'elle est menacée. Et donc, les suites logiques... Convention de 51 font qu'on doit pouvoir accueillir les gens et leur proposer une protection. Les clandestins, finalement, ce sont ceux qui ne peuvent pas bénéficier ou ne peuvent pas poser dans des règles normales une demande d'asile. Et donc, ils sont obligés de fuir puisqu'ils n'obtiennent pas cette protection qu'ils auraient due normalement. Même si après... Dans un deuxième temps, on instruit une demande d'asile, c'est-à-dire qu'on examine un contexte politique, on examine un récit de vie, si tant est qu'on puisse justifier des raisons pour lesquelles on a fui. C'est pas toujours facile. Et donc il y a aussi cette faculté qu'on a aujourd'hui d'utiliser des termes qui décrédibilisent des notions comme celle de l'asile, par exemple, avec ces termes qu'on répète à l'envi comme l'immigration clandestine. Le clandestin est évidemment quelqu'un qu'il faut redouter et qu'il faut chasser.
Alors, intoxication et indifférence de la société civile. On a bien vu que sur cette question des migrants, si on continue sur cet exemple, on a à la fois les deux. Il y a une forme d'intoxication qui existe depuis très longtemps, puisque c'est toujours les mêmes qui s'expriment sur ces sujets, et que l'idée dominante et principale, c'est qu'il faut se protéger des migrants, qu'il faut limiter les flux ou qu'il faut contrôler les flux. C'est-à-dire que toute tentative d'explication apaisée qui cherche à montrer que le contrôle ne marche pas, que les flux sont modérés par rapport à ce qu'on laisse penser, ces discours-là ne sont pas entendus, ne sont pas audibles, parce qu'on a pilonné sur ces idées que tout le monde partage, sans même plus se poser de questions, sans même chercher à se faire une opinion, sans chercher aussi à... Les travaux universitaires, par exemple, sont assez récents. Mais il faut chercher aussi à connaître les chiffres, tous les chiffres, pas seulement ceux qui nous intéressent, à les comprendre, à les interpréter, et à se méfier du tout près, du superficiel, du vite fait, et on passe à autre chose, qui est souvent courant. L'indifférence, on en a dit quelques mots tout à l'heure, tant qu'on ne parle pas des choses, elles se passent en silence, tant qu'elles n'ont pas un aspect massif, ou qu'il n'y a pas ce petit ingrédient d'émotion qui fait que des basculements s'opèrent dans l'opinion, eh bien, ce qui règne, c'est l'indifférence. Voilà, c'est une espèce d'habitude de voir des choses qui rentrent dans la normalité alors qu'elles ne le sont pas. Et c'est seulement quand il y a un événement plus tragique peut-être, ou que l'actualité nous a mis devant les yeux, que l'indifférence peut être rompue et qu'on peut recommencer à réfléchir, qu'on peut redévelopper des solidarités, un peu de générosité. Donc on voit qu'on est quand même dans des contextes où, et si on revient à l'humanitaire, qu'on est très dépendant de la sphère politique et aussi de la sphère médiatique. Il y a pourtant, ça c'en est un petit exemple, mais il y a plus que des recherches universitaires qui n'intéressent pas tout le monde, qui sont parfois un peu arides, il y a toute une littérature, des témoignages, des films qui ont été projetés. Celui-ci en est un, il y en a de très nombreux. Certains ont eu un certain succès, qui exposent, au travers de témoignages ou de fictions, ce que sont les parcours des migrants, les raisons pour lesquelles ils sont amenés à fuir, les risques qu'ils prennent, et la nature de l'accueil que nous leur faisons aussi. Donc c'est aussi intéressant de regarder ces productions et ces fictions qui sont parfois aussi parlantes qu'un article de journal, évidemment. Et puis de temps en temps, on essaie d'alerter nos élus au plus haut niveau, comme par exemple cette fois-ci en septembre, voyant qu'on n'arrivait pas à ouvrir un dialogue avec le ministre sur les sujets, on s'était adressé au président de la République avec une quarantaine d'associations, il n'y en a qu'un petit nombre qui est cité là, pour demander une rencontre au président de la République. Et en fait, il n'a même pas répondu. Voilà. Ça veut dire aussi que ce sont des sujets sur lesquels on, en tant qu'organisation de toutes sortes, humanitaire ou plus sur le développement, on peine beaucoup aujourd'hui à se faire entendre. Et derrière nous, tous les militants, c'est-à-dire vous, qui soutenez aussi ou qui faites partie de nos organisations. Alors, cette petite discussion que nous pourrons avoir tout à l'heure, j'ai dit quelques mots, même brefs, et pas toujours peut-être très argumentés sur l'humanitaire, puisque je vous l'ai dit, c'est pas trop notre domaine. Mais faute d'une vision de ce qu'est le monde d'aujourd'hui,
de ce que sont les phénomènes importants comme les désordres climatiques. On en parle un petit peu ces temps-ci, même si on n'a pas encore trouvé toutes les solutions. La question de la migration, c'est pas une question nouvelle. C'est une question aussi qui est liée à la mondialisation. C'est-à-dire que les mouvements de personnes n'ont jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui dans le monde et sont une caractéristique de ce qu'est le monde moderne. Vous-même, comme étudiant, vous avez déjà beaucoup bougé. Vous bougerez encore, soit pour étudier, soit pour découvrir, soit pour vous distraire, soit pour aller travailler à l'étranger. C'est-à-dire que bouger, migrer, changer de lieu, ça fait partie du quotidien pour la plupart des gens qui en ont la possibilité. Pour ceux qui en ont la possibilité. C'est-à-dire que quand vous voyagez, vous faites une demande de visa pour X raisons, hein, travail, études, tourisme. En général, vous n'avez pas de difficultés. Là, dans le pays où vous allez, on ne vous demande pas tout ce qu'on vous demande quand vous venez ici en France. Est-ce que vous avez un compte en banque? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Où est-ce que vous dormez ce soir, etc. C'est des choses qui n'existent pas pour toute une minorité dans l'humanité aujourd'hui. Alors qu'il y a toute une partie de la population qui migre pour des raisons économiques, parce qu'elle veut aussi gagner sa vie comme tout le monde, préparer l'éducation de ses enfants. Elle ne peut pas parce qu'elle vit dans des conditions difficiles, parce qu'elle n'a pas le droit de voyager, parce qu'elle est trop pauvre pour voyager, etc. Donc je pense que cette question de la migration, il faut la regarder à l'aune de ce qu'est la mondialisation aujourd'hui, de ce qu'elle permet à certains et pas à d'autres. C'est-à-dire qu'il y a ces minorités, des plus riches, toujours plus riches, hein, c'était dit en introduction, et des plus pauvres, toujours plus pauvres. Donc cette question des inégalités, elle marque profondément la mondialisation. Et donc tout ce qu'on peut faire pour lutter contre les inégalités nous permettra de résoudre un certain nombre de problèmes qui sont les injustices, qui sont les mouvements de population forcés. Vous voyez que la mondialisation aujourd'hui, c'est de pouvoir exercer ses droits, qui qu'on soit, étudier, fonder une famille, gagner sa vie. Tout ça, ça fait partie des choses qui sont largement partagées. Les gens sont de plus en plus informés de leurs droits ou de leurs... ils ont des attentes qui ne cherchent qu'à être honorées. Donc quand on ignore ces attentes et qu'on pense qu'on va pouvoir continuer à faire perdurer un système qui ne profite qu'à quelques-uns, qui gaspille beaucoup d'ailleurs, qui contribue à détruire des environnements et qui donc produit aussi des déserts, des migrations, etc., il ne faudra pas s'étonner que l'humanitaire, là, ça devient du bricolage qui est complètement dépassé par les événements, quoi. C'est-à-dire que même bien ficelé, avec de grands moyens, une action humanitaire avec des valeurs, du cœur, ne fera absolument pas face au désordre d'un système économique et politique qui est profondément injuste. Donc c'est aussi dans cet esprit que, et d'ailleurs à la suite du fondateur l'abbé Pierre, que si on reste actif, éveillé et actif sur ces nouvelles manifestations de pauvreté et d'exclusion qu'on voit soit apparaître, soit se développer dangereusement, la question des migrations, pour nous à Emmaüs, c'est une question qui existe depuis les années 85, en France par exemple. C'est-à-dire que dans nos lieux d'accueil, où nous accueillons de façon inconditionnelle tous ceux qui se présentent, les migrants ont commencé à y venir de façon significative dans les années 80, c'est-à-dire bien avant que ce soit une question au cœur de l'actualité, tout simplement parce que c'était déjà les grands exclus en France, de la même façon que les SDF, les sans-logis, enfin toutes ces catégories que vous connaissez par ailleurs très bien. Et donc,
c'est comme ça que nous, on prend, parce qu'on est des observateurs privilégiés, qu'on prend la mesure de ce que sont les problèmes ou de ce que pourront être les problèmes si on n'y apporte pas des réponses tout de suite. Donc, dès ces années, on a alerté sur le fait que pour ces personnes qui arrivent de l'étranger, il faut un nombre raisonnable de places d'accueil pour qu'ils puissent déposer des demandes d'asile, qu'il faut respecter aussi des conditions de la même façon qu'on a des lieux tout à fait vivables pour les personnes sans domicile, des foyers d'accueil qui sont tout à fait corrects. Donc ça doit être le cas pour tout le monde. Tout ça, on voit bien que ça ne s'est pas fait au fil des années. Donc il y a déjà un niveau d'action humanitaire qui n'est pas atteint dans nos pays, alors qu'on a beaucoup de moyens pour le faire. Mais dans le même temps, si on ne s'intéresse pas à la façon dont la prise en charge générale des problèmes et de leurs causes sont vraiment travaillées, ben on ne fera pas face, humanitaire ou pas, à ce que sont les problèmes d'aujourd'hui, quoi. Bon. Et puis, il y a, je dirais, des approches réalistes, où on va dire, avec un minimum d'intelligence. Ça n'a pas l'air d'avoir étonné grand monde que dans ces mouvements de population qu'il y avait au mois d'août, finalement, les gens aillent beaucoup vers l'Allemagne et assez peu vers la France. Mais pour nous, ce n'est pas, c'est pas plus surprenant que ça, parce qu'il y a déjà de nombreuses années que la tradition d'accueil en France est perdue, avec des restrictions dramatiques. Par exemple, les étudiants étrangers qui venaient très volontiers chez nous ne viennent plus. Ils vont en Russie, en Chine, aux États-Unis. Nos collègues de Bosnie, par exemple, ne vont pratiquement plus dans des pays comme nous pour étudier, les jeunes. Ils vont en Australie ou ils vont en Allemagne, par exemple. Donc même l'aspect bien compris de l'accueil, notamment pour des populations riches en potentiel, que sont les étudiants, ce sont des choses qu'on n'a même pas compris chez nous, dans nos pays. Ce qui fait que ceux qui attendent de l'asile ou qui espèrent qu'on pourra leur apporter un coup de main, ben, se détournent de nos pays, et à notre détriment, parce que nous, on le voit bien pour l'Allemagne, elle a compris, et bien avant qu'il y ait cette crise des migrants, que elle a besoin d'étudiants, elle a besoin de scientifiques pour maintenir son appareil industriel, pour développer son potentiel de commerce, pour développer l'intelligence dans les facultés, etc. Donc vous voyez que la mondialisation consiste aussi à comprendre ces phénomènes. Je ne dirais pas en profiter, mais c'est au bénéfice de tous, quand on peut se dire qu'il y a aussi ce partage qui se fait au travers de l'accueil d'autres personnes. Voilà. Nous, on est très heureux aussi de pouvoir, quand on le peut, aller créer des entreprises dans des pays où il y a besoin, à Madagascar, en Angola, parce qu'il y a du potentiel, on peut y exercer nos talents, on peut y gagner de l'argent. Donc il y a cet intérêt bien compris qui n'est pas partagé partout, hélas. Et donc nous, on se dit que la meilleure façon d'avancer sur tout ça, c'est de continuer partout où c'est possible et dans toutes les régions du monde où nous sommes présents, hein, parce que c'est aussi le cas en Afrique et en Amérique du Sud. Il faut accueillir tous ceux qui sont abandonnés, et on se rend compte qu'en fait, ils ont un grand potentiel, tous. Nous avons tous un potentiel. Donc il n'y a pas des catégories de gens parmi nous qui n'auraient aucun potentiel. Vous voyez, ça, c'est des choses que nous, à Emmaüs, on vérifie tous les jours. Et donc, pour peu qu'on apporte un peu de moyens ou qu'on en mette à disposition, les gens avec qui on travaille, comme ce responsable au Bangladesh, sont capables de développer, même si ça reste à petite échelle, hein, en regardant la taille des économies ou des questions à résoudre, on montre qu'avec un peu de moyens et surtout le désir de vouloir faire avec d'autres, on peut faire des choses formidables. Cette petite entreprise là, qui a maintenant 300 ouvrières, c'est pas une organisation qui vit de la charité ou de la solidarité. Ses activités économiques lui permettent, la vente des produits de confection au commerce équitable lui permettent
de faire vivre ses ouvrières, de financer ses écoles. Et puis on n'a pas attendu qu'il y ait les écroulements d'immeubles pour installer des minimums de conditions raisonnables pour les ouvriers qui travaillent chez nous. Il n'y a pas d'impossibilité à faire ces choses. Voilà un petit peu le sens de notre façon de voir les grandes limites de l'humanitaire, mais c'est tout de même une porte d'entrée qui permettrait, je pense, à vous tous, de voir que si on ne s'y prend pas autrement, c'est-à-dire en essayant de résoudre après coup des désastres de plus en plus importants, on se prépare des jours difficiles. Voilà un petit peu le sens de ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup Jean Rousseau. Donc intervenir en amont plutôt qu'en aval, puisque si on a bien compris votre propos, en aval il y a beaucoup de points à traiter, beaucoup de gens à aider et on est assez largement débordé. L'image qui me vient c'est celle du tapis. En fait on a voulu cacher sous le tapis des tas de choses et sauf que maintenant le tapis déborde complètement. Mais je crois que le problème des migrants met un accent assez fort sur ces problématiques puisque massivement on se heurte à une immigration qu'il faudra bien traiter, évidemment accueillir, etc. Alors donc il nous reste à peu près 20-25 minutes pour échanger avec vous. Donc on va commencer comme d'habitude par les questions qui seront posées ici par nos deux étudiantes de l'association Iségoria, Marion et Laurane. Voilà, et puis ensuite des micros circuleront et donc vous aurez l'occasion de poser une question si vous le souhaitez ou d'apporter un commentaire. Voilà, alors je propose qu'on commence par Marion. Oui, on va poser seulement deux questions, comme ça on va pouvoir vous laisser du temps. C'est par rapport à l'exemple d'Haïti qu'on a abordé ce soir. Il y a eu pléthore d'ONG, des ONG américaines, des ONG françaises. Et pourquoi je voulais vous demander s'il n'existe pas un problème de concurrence entre les ONG et quelle coordination existe-t-il entre les ONG ou n'existe pas d'ailleurs ? En fait, il y a une concurrence qui n'en est pas une. Il y a plutôt un chacun pour soi dans les grandes organisations. Et j'ai dit aussi tout à l'heure qu'il y a parfois des scissions au sein des organisations. C'est le cas pour les urgentistes médecins. Ce que je pense surtout, c'est qu'il y a une concurrence de visibilité qui est énorme. Puisque... Pour pouvoir agir, les organisations, elles ont besoin de fonds. Donc il faut qu'elles fassent parler d'elles. C'est pour ça qu'elles ont des actions médias qui sont très importantes. Et pour beaucoup d'entre elles, elles ont évolué. C'est-à-dire qu'au-delà de l'urgence, un grand nombre d'entre elles sont actives sous l'angle dit... défense des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'elles veulent aussi faire passer des messages politiques ou amener à des basculements politiques. Donc la visibilité, c'est essentiel. Et donc il y a aussi ces bagarres, nous on l'a bien vu dans cette réunion de vendredi avec Cazeneuve, où même si on s'est concerté avant avec les organisations, on leur a dit, nous vous savez, ça va être une réunion très difficile pour nous. Si on ne se fait pas entendre, on se casse. Donc c'est grand silence parmi les autres organisations, ils sont très gênés, quoi. Parce que ça leur renvoie le fait qu'ils continuent à être l'alibi du ministre sur ce bidonville d'État. Bon, donc vous voyez qu'il y a des débats entre nous, et c'est sûr qu'après on aura du mal à reprendre langue ou à mener des programmes avec ces organisations. Et il y en a qui sont plus solitaires les unes que les autres. Par exemple, dès le début de l'été, Médecins du Monde, sans concertation avec aucune des organisations locales, d'ailleurs, qui sont très présentes dans le Calaisis, a décidé de lancer une action financée par elle, sans lien avec les autres organisations, donc d'intervention médicale sur la jungle.
avec la création des malentendus ou avec les autres organisations. Donc c'est moins de la concurrence, si vous voulez, que de la difficulté à jouer collectif. Et ça, c'est dramatique. Parce que sur des contextes comme Calais, où on est tous conscients, sans peut-être le dire forcément de la même façon et nettement, que la situation est insupportable et que la cause principale, c'est l'obstination du ministre à ne pas vouloir trouver des problèmes, à pas vouloir trouver des solutions politiques ou à vouloir répartir des formes d'accueil qui soient plus humaines. Bien, vous voyez les conséquences que ça a après en termes de... Si on n'arrive pas à peser collectivement, ben, ni à embarquer aussi un peu l'opinion avec nous, ben, le ministre, il va tenir bon autant qu'il va pouvoir, quoi. Il y a des rapports de force à créer. Et quand on n'est pas unis, ben, les rapports de force, ils sont contre nous. Et le ministre, il s'amuse avec ça depuis plusieurs mois, quoi. Merci. Lorraine ? Donc j'ai une question un peu plus focalisée sur Emmaüs. Est-ce que c'est une entreprise comme les autres ? Quelle gouvernance y a-t-il à Emmaüs ? Quel est le pouvoir qui est donné aux salariés, aux bénévoles ? Y a-t-il vraiment une transparence au niveau, je ne sais pas, du bilan ? Comment vous communiquez avec vos salariés ? Comment vous réussissez à motiver vraiment toutes les personnes qui travaillent pour Emmaüs à aller donc vers le but d'Emmaüs, qui est donc de faire bouger les choses? Alors, on est une organisation un peu atypique. Et si je le dis, c'est parce que en ce moment, Emmaüs International, on est en train de demander la reconnaissance d'utilité publique. Donc il y a un dispositif assez compliqué avec le ministère de l'Intérieur et le Conseil d'État derrière. Donc on a une structuration internationale d'abord, qu'ils n'ont jamais vue, et même si on a bien cette utilité ou cette notoriété ou cette légitimité à pouvoir prétendre à être reconnu d'utilité publique, ils n'arrivent pas bien à comprendre qui on est pour pouvoir le faire vraiment. En partie parce que les critères que vous évoquez de gouvernance ne sont pas ceux auxquels ils sont habitués, qui sont le cadre classique, même s'il est souple, de la loi 1901. Alors, Emmaüs, c'est un mouvement décentralisé, en fait. C'est-à-dire que c'est une fédération, si je peux dire, de multiples associations locales, diverses en taille, en nature, en forme juridique. Par exemple, nos collègues au Bangladesh, ils sont dans une society. En Inde, on est dans des companies. Au Royaume-Uni, on est dans des charities. En Afrique du Sud, c'est encore autre chose. C'est une espèce de simili association. On a toutes les formules. On a des coopératives. En France, on a une société anonyme qui produit des HLM. C'est une grosse société de HLM. On a une fondation. Les fondations sont encore d'autres natures de création. Donc il y a toutes ces possibilités qui correspondent d'abord à des formes de souplesse pour mener des activités économiques, puisque fondamentalement, c'est des questions que vous m'avez posées, nous ne vivons pas des subventions politiques ou des subventions publiques ou des donations, sauf de matériel. Hein. Il n'y a qu'une seule structure en France, par exemple, d'Emmaüs, qui reçoit des fonds privés, des dons manuels, en fait, hein, c'est la Fondation Abbé Pierre, et qui consacre uniquement ses fonds au logement, à la construction de logements. Mais pour le reste, nous vivons ce travail de la récupération. D'ailleurs, c'est un travail qui est mené par les plus pauvres depuis le Moyen-Âge. Hein. Quand on n'a plus rien pour gagner sa vie, ben, on fait les poubelles. Voilà, c'est comme ça qu'on commence. Puis après, on s'organise, on fait du porte-à-porte, on a des recycleries, on répare des ordis, alors qu'avant, on ne faisait pas ça. Bon, bref. Donc c'est un métier qui nous permet de gagner notre vie, d'être indépendant, et tout ce qu'on dégage, et on dégage un peu de sous, nous permet de distribuer. C'est ça l'objectif d'Emmaüs, c'est-à-dire que tous ceux qui sont accueillis dans nos structures gagnent leur vie par ce travail. Donc c'est autant de gens qui ne pèsent pas sur l'action sociale en France. Et ça représente des sommes très importantes. D'autant que nous avons du bénévolat aussi pour accompagner ce travail. Il y a une force de bénévolat très importante. Et en même temps, tout le reste est distribué.
Donc nous partageons avec des groupes Emmaüs, lui là qui mène des programmes d'agriculture biologique, si on ne lui apporte pas un petit coup de main financier, il n'a pas cet argent pour le faire. Voilà. Donc chacun a son autonomie locale et doit se débrouiller par ses propres moyens. C'est aussi un objectif fort. C'est-à-dire que le groupe Emmaüs, c'est un business, quoi. Il faut travailler pour gagner sa vie. On ne peut pas tendre la main, on ne peut pas dépendre des autres, même si on peut avoir des moments plus difficiles. C'est dans le cadre de la gestion collective. Donc, chez nous, c'est des associations loi 1901. Donc, il y a un certain nombre de bénévoles qui sont élus en assemblée générale, qui ont un conseil d'administration, un bureau, et qui ont la responsabilité du bon fonctionnement des associations, des entreprises, des fondations. C'est-à-dire qu'elles rendent des comptes. Nous, on a des règles très... En France, parce qu'après, on est organisé par pays, les règles ne sont pas les mêmes. Mais en France, nous, par exemple, on a obligé, depuis maintenant 20 ans, à ce que tous les comptes de toutes nos associations soient certifiés par des commissaires aux comptes. Vous voyez ? Au Royaume-Uni, vous n'avez pas l'agrément charity si vous ne publiez pas vos comptes. Ils sont d'ailleurs tous sur Internet. Vous pouvez les consulter sur le web, tous les comptes. Bon, donc ces règles de transparence, elles s'appliquent pour nous depuis très longtemps. Et c'est nécessaire d'ailleurs, puisque les choses que nous recevons, c'est le public qui nous les donne. Donc il est légitime qu'il puisse savoir ce qu'on en fait. C'est-à-dire comment ça nous permet d'accueillir des gens à la rue, comment ça nous permet de gagner notre vie, comment on investit par exemple dans des constructions et comment on distribue aussi autour de nous. Donc ça, c'est très important. Alors après, on a des structures au niveau national. Donc il y a une organisation Emmaüs en France, il y en a une, il y a Emmaüs au Chili, il y a Emmaüs au Pérou. C'est donc la fédération de ces structures qui se donnent elles-mêmes leurs propres objectifs, leur propre solidarité entre elles, qui ont des programmes de formation, qui cherchent aussi à développer de nouvelles structures. Enfin voilà, c'est classique pour toutes les organisations. Ont l'outil de leur bien-vivre ensemble, leurs outils de solidarité, leurs outils de développement. Voilà. On a aussi cette organisation, bon ça c'est un peu l'abbé Pierre qui a voulu ça, puisqu'il avait une vision déjà dès l'après-guerre, hein, Emmaüs International, ça a commencé dès les années 50. L'abbé Pierre a été un grand voyageur, hein, il a été résistant, mais après il a été député, donc il a beaucoup voyagé, il a été en Inde, il a été aux États-Unis, donc il a bien vu à l'avance et bien avant beaucoup de monde ce que seraient les phénomènes de la mondialisation. Et donc nous avons des organisations continentales, il y a donc Emmaüs Europe, on comprend assez facilement pourquoi, il y a des enjeux au niveau de l'Union européenne, hein, c'est là que se font les lois qui après sont transposées en droit français sur des questions essentielles comme la finance, la protection de l'environnement, les services, enfin je vous apprends rien. Donc si on n'a pas non plus une action collective et on a cette chance d'être présent dans tous les pays de l'Union européenne et aussi aux marges, en Moldavie, en Roumanie, en Bosnie, en Albanie, on a une vision assez complète des problèmes et on a une petite force de frappe auprès des parlementaires notamment, parce que c'est là qu'il faut agir souvent, plus qu'au niveau de la commission. C'est plus compliqué au niveau de l'Afrique, parce qu'elle est encore désorganisée politiquement, mais c'est assez bien actif en Amérique du Sud. On est surtout présent en Amérique du Sud, avec des espaces comme le Mercosur, où on peut faire du travail. Et en Asie, c'est plus compliqué, parce qu'on est dispersé et moins nombreux. Merci. Je vous propose qu'on passe aux questions de la salle. Donc là, il suffit de lever le bras et on vous tendra un micro. Voilà, donc on a déjà une question en haut de l'amphithéâtre. Ouais. C'est à vous, monsieur. Allez-y. Ok, très bien. Tout d'abord, merci pour cette présentation qui était des plus intéressantes. Vous nous avez parlé de différentes choses, notamment du rôle des médias, souvent dans le sensationnalisme, qui nous parle de ces crises humanitaires, mais fondamentalement reste que dans du très court terme. Vous avez parlé aussi du rôle des politiques, qui là aussi ont un débat très, très passionné. On le voit sur notamment le cas des migrants, là aussi il faudrait peut-être dépassionner le débat, ne serait-ce que pour donner l'exemple d'un Robert Ménard qui est capable de nous faire des jolis montages photos pour scandaliser un peu la population de Béziers par rapport aux migrants, ce qui est d'autant plus dommageable d'ailleurs quand on parle d'un ancien journaliste.
Et pour autant, vous avez su nous montrer aussi que en intellectualisant un peu le débat, en montrant avec de très courts exemples, mais arguments très simples, avec l'accueil de l'Allemagne qui le fait très bien, avec les chiffres qui ne sont pas forcément si imposants que ça en termes de migration, que finalement, on pourrait dépasser ce débat pour l'intellectualiser et pour pouvoir agir dans le plus long terme. Et donc, là où j'aboutis, en fait, c'est que le combat de l'humanitaire est peut-être aussi celui de l'intellectualisation du débat, dans le sens où, effectivement, en restant dans le sensationnalisme et dans les émotions, on ne reste que sur du très court terme, alors que vous nous avez montré l'importance d'agir dans le long terme pour pouvoir mener à bien les missions humanitaires. Donc ma question, elle n'est peut-être pas forcément évidente, mais elle est de savoir comment on fait. Comment on fait pour dépassionner le débat et pouvoir, l'intellectualiser. Agir structurellement et pas uniquement une réaction conjoncturelle à un problème de crise. Ouais. Je pense que la part qui relève des médias, elle est très importante. Hein, et on n'est pas, nous, les seuls à le dire. Je pense aussi que tous ceux qui travaillent sur des sujets de fond, sociaux, économiques, sont très déçus de voir que la plupart du temps, c'est le zapping permanent, c'est le survol des questions. Moi, je suis toujours effrayé dans les interviews qu'on me demande ou sur les plateaux, de voir que les gens n'ont pas préparé, qu'ils ne connaissent pas le sujet dont ils parlent. Enfin, c'est un peu effrayant, quoi. Et donc, que les questions sont toujours les mêmes, c'est formaté, c'est la question qui est à la mode, qu'on pose, quoi. Donc ça, c'est vraiment constant, lourd, permanent, et ça ne favorise pas la réflexion sur les sujets que nous portons, nous, mais sur bien d'autres sujets que portent, je pense, les chefs d'entreprise, par exemple, hein, où on est toujours en train de caricaturer ou d'insister sur la parole de tel ou tel. Il y a une forme de média aujourd'hui qui n'est pas nourrissante du tout, quoi. Il faut faire des efforts pour choisir ces médias, choisir des revues professionnelles qui permettent d'approfondir, de creuser, d'avoir des contrepoints aussi. Je pense qu'il y a en permanence de la caricature, de la simplification à l'extrême, alors qu'on a tous les outils d'étude. C'est ça un peu cette espèce d'écart permanent entre des sujets qui peuvent être largement documentés, sur lesquels il y a de la réflexion, mais qu'on a un système médiatique qui aplatit tout et qui ne laisse rien au final, quoi. C'est la vitesse, c'est le superficiel. Et pour les politiques, je dirais qu'on en a toutes sortes. Mais mon sentiment, tout de même, c'est que peu aujourd'hui sont aptes à nous parler ou à comprendre ce qu'est le monde d'aujourd'hui, quoi. Je pense qu'hélas, en France, on a une vision, désolé de vous dire ça, mais du petit hexagone qui n'est plus rien du tout, alors que c'est pas le centre du monde, quoi. C'est pas là que les choses se passent. La vie commerciale, la vie intellectuelle, il y en a encore un petit peu, heureusement, mais elle se passe bien ailleurs, quoi. Et je pense que nos, à part quelques exceptions, quand on va faire une petite visite d'État et on emmène nos fleurons de l'industrie, on est largement déconnecté des grands courants de discussion. Parfois, on est en diplomatie, on est toujours en train de se rattraper ou de se raccrocher au plus en vue, par exemple. C'est flagrant. Et en économie, on a les miettes, quoi, parce qu'il y a longtemps qu'on a perdu notre place importante. Ça, c'est vraiment un manque de vision politique depuis des années, quoi. On n'a pas conscience des enjeux et on a plutôt une vision étroite et qui est celle du repli sur soi. Bon, il y a beaucoup de commentateurs qui ont écrit là-dessus, parfois avec excès ou pas dans un sens positif. Je pense qu'on devrait réfléchir à ça pour se dire qu'il faut quitter définitivement ces façons de se regarder le nombril et de se lamenter sur notre propre déclin, quoi. À un moment, il faut passer à autre chose, il faut investir. On a quand même de l'intelligence, de la jeunesse qui est capable de... et qu'il faut encourager. Notre président n'avait-il pas dit qu'il consacrerait son mandat à la jeunesse ? Vous avez vu quelque chose, vous, depuis, là ?
Pas sûr. Je crois que Jean Rousseau, vous parlez du candidat, vous ne parlez pas du président. Oui. Il était candidat, mais après, c'était quand même pour devenir président. C'est deux hommes différents. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Je crois qu'il y avait... Oui, voilà, à gauche, oui. Enfin, à droite de l'amphithéâtre pour les spectateurs. Bonjour. Alors, moi, ma question, elle porte plutôt sur le niveau politique du monde associatif. On sait que l'abbé Pierre avait été en son temps député. On sait aussi les difficultés qu'ont les associations, vous en avez parlé tout à l'heure, à parlementer avec le gouvernement. On sait aussi que les populations en ce moment votent de plus en plus citoyens et se détournent de plus en plus des clivages droite-gauche habituels. Alors ma question, c'est est-ce que le monde associatif et le monde humanitaire a-t-il encore une place en politique? Est-ce qu'il peut encore rentrer en politique? Est-ce qu'il doit le faire? Parce que c'est peut-être pas sa juste place. Voilà. Merci. Sa juste place, c'est difficile pour moi de le dire pour d'autres organisations. Chaque organisation a un petit peu sa tradition, son histoire, où c'est plus ou moins facilement ou pas du tout placé sur un registre politique. Bon, je ne les connais pas toutes, mais c'est vrai que le Secours catholique, par exemple, a du mal souvent à se placer sur des registres politiques, quand il s'agit de migration ou quand on fait les constats de la pauvreté et de l'exclusion dans le rapport. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à nommer les responsabilités ou à identifier des causes qui seraient politiques. C'est un exercice difficile pour eux, quoi. Bon. Mais je dirais que c'est aussi à l'image de ce qu'est la société. Chacun n'est pas non plus à vouloir tout mettre sous un regard politique ou à vouloir se poser lui-même les questions qui le remettent en cause lui personnellement, quoi. Donc on retrouve ça aussi dans l'association. Nous-mêmes, à Emmaüs, qui avons cette tradition qui nous a été amenée par notre fondateur, qui était quelqu'un de profondément dérangeant, ça met mal à l'aise certains de nos militants qui viennent et qui ne connaissent pas cette tradition ancienne maintenant du mouvement Emmaüs. Et donc certains se détournent de nos associations, ils sortent de là parce que non, on peut pas, machin. Bon. Alors, je pense que tout de même, ce rôle, il faut l'affermir parce que les associations, de près ou de loin, c'est la société civile. C'est vous qui formez les associations. Et donc, en dehors des espaces qui maintenant sont creux, sont parce qu'il n'y a plus de réflexion, ou que ce qui compte là-dedans, c'est la course aux places, je pense aux partis politiques. Si on prend les syndicats qui avaient aussi des visions sur ce que devrait être, par exemple, la notion de bien commun ou la protection sociale, aujourd'hui, on est plutôt dans le repli sur soi ou dans la défense d'intérêts catégoriels. Donc il y a tout un espace de réflexion, de nourriture et de défense. De défense des objectifs portés par la société civile qui trouve difficilement sa place aujourd'hui. Tous ces corps intermédiaires ne jouent plus leur rôle. Alors les associations, ben, elles essaient encore d'y trouver un peu de place. Elles sont très actives, en tout cas au plan local. C'est plus difficile au niveau national. Mais même si on fait un gros travail auprès des parlementaires, on a une place très importante dans les espaces locaux. Le rôle des associations à tout niveau, dans la vie culturelle, dans la vie, dans la protection de l'environnement, c'est des partenaires, enfin oui, ils appellent ça, les hommes politiques nous qualifient de partenaires dans l'espace des collectivités locales, par exemple. On compte beaucoup sur nous, et puis il ne vous échappe pas quand nous approchons des périodes électorales, comme par exemple les régionales, c'est la course pour aller rencontrer les associations, relever leurs propositions, faire des tables rondes, etc. Tout d'un coup. Alors après, c'est plus compliqué, mais on a encore cette place. Et pas que pour l'humanitaire ou les organisations à vocation sociale. Tout ce qui porte du culturel,
du bien-vivre, de la protection de l'environnement, du patrimoine, tout ça, c'est là aussi où se construit des formes politiques, pas totalement achevées, mais qui devront trouver des formes plus institutionnelles, j'en suis convaincu. Merci Jean Rousseau. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Oui. Ah oui, non. Allez-y monsieur. Oui, alors pour rebondir sur ce que vous disiez, je voulais vous demander si vous ne pensez pas que justement ces ONG ne servent pas d'alibi à certains gouvernements pour ne pas justement développer par eux-mêmes les réseaux électriques. En France, on peut penser aussi aux Restos du Cœur qui font la soupe populaire, alors que ce serait plutôt une tâche étatique. Et alors donc voilà, je voulais avoir votre avis sur ce point, savoir si ce n'était pas un alibi qui permettait à l'État de se désengager de certains secteurs qui devraient relever de lui. Alors il y a des secteurs, oui. Moi j'ai mille exemples de lieux que j'ai ouverts, des lieux nouveaux, des lieux d'accueil, des trucs comme ça, où on a les louanges du maire local, du député maire, du ceci, cela. Ah, qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas ces associations? Vous faites un travail formidable, etc. Je leur dis oui, mais s'il y a des gens à la rue, c'est parce qu'il y a des problèmes d'emploi, des problèmes de revenus, parce qu'on a de graves problèmes de logement depuis 35 ans en France et qu'on n'a pas été capable de construire en suffisance. Il nous faut 400 000 logements par an pour faire face progressivement à la demande des gens. Bon. Tant qu'on n'avancera pas là-dessus, ben, il y aura des gens à la rue, forcément, les sans-abri. Ou les gens qui vivent dans des conditions indignes, en surpeuplement, chez les copains, dans les squats, etc. Alors que tout le monde connaît les... Bon, c'est compliqué le logement, hein, parce que tout le monde décide là-dedans, c'est-à-dire que personne ne décide grand-chose. Mais il y a un maquis épouvantable. Donc on a déjà redit mille fois, on fait un rapport annuel sur ces questions en France, qui est très écouté par les politiques, mais ils n'écoutent pas ce qu'on fait, ce qu'on leur dit. Qu'il faut simplifier les questions administratives, qu'il faut donner des pouvoirs aux maires, enfin des tas de choses comme ça, et qu'il faut construire. Ça n'a qu'un aspect vertueux de construire, aujourd'hui. Ça crée de l'emploi, ça met des gens à l'abri, ça permet de produire des matériaux. On ne le fait pas. Étonnant, hein ? Ça permet de former des jeunes au métier du bâtiment. On ne fait pas. Ce n'est pas une priorité nationale. L'abbé Pierre avait coutume de dire que les politiques ne décident des choses que quand la pression est trop forte ou que quand eux-mêmes, ils souffrent de la situation qui doit être résolue. Il donnait un petit exemple rigolo pour ça, c'est que le président de la République, de par sa fonction, va de temps en temps au théâtre, à l'opéra. C'est un lieu qui lui est familier. Un jour, il va à l'opéra. Le directeur de l'opéra lui dit « Écoutez, président, pendant que vous êtes là, vous voyez que le rideau n'est pas dans un état formidable. Si vous pouviez donner une petite consigne au ministre de la Culture, on aurait 4 sous, on réparerait ce rideau. Vous inquiétez pas, ce sera fait. » Le président de la République va à l'opéra. Il ne va pas dans les logements pourris. Ça aussi, il faut tenir compte de ça. On ne parle et on agit que quand on connaît les choses, qu'on les vit. Ça aussi, c'est important. C'est là qu'on peut trouver des solutions. Merci Jean Rousseau. Je vous propose qu'on reste sur votre étonnement en guise de conclusion. Merci beaucoup.